Here we go! Salut à tous! Hey, salut! C'est Didier GG de Gaming Room TV. Donc aujourd'hui, on va vous faire la vidéo collection GameCube. Donc console, accessoires, jeux. Tout le toit à toi. C'est bien cadré. Hein. C'est bien carré. Donc Didine va commencer parce qu'elle a la console. Exactement. Donc la console, la GameCube violette, voilà. En boîte. On possède également une noire en loose qui est rangée, mais dans les bacs derrière, qui nous sert pour jouer. Et celle-ci, elle reste vraiment. Voilà. Dans sa petite on boîte. N'allait pas vous la sortir, vous savez ce que c'est une GameCube. Quoique. Si vous avez cliqué sous la vidéo, c'est que vous savez. Ouais, j'espère. Donc ensuite, nous avons deux paires de Donkey Bongo qui servent pour les jeux dont Donkey Bonga et le Jungle Beat. Exactement. Beat. Jungle Beat. Voilà. Version allemande, Beat. Et ensuite, donc le Game Boy Player. Donc qu'on avait eu envie de grenier il y a déjà une paire d'années que ça. Ouais, souvenir. Souvenir, ouais. Donc le Game Boy Player sert à jouer à tout ce qui est jeu Game Boy Advance, Color. Et Game Boy. Voilà. Voilà. Donc maintenant, passons au jeu. Donc nous avons 54 mémoires. Jeux. 54. Voilà, regarde. Même... Heureusement que je suis là. Je le savais. Alors, ouais. Donc, nous allons pas trop nous éterniser sur les jeux, donc on va essayer de vous présenter ça rapidement. Ah, il y a le nez qui coule. Après interruption de notre fils Ethan, nous allons commencer par vous présenter les jeux. Les jeux, tout simplement, oui. Oui, Ethan, c'est de ta faute. Donc, petit coquin. Petit coquin. Donc, nous allons commencer par le jeu Animal Crossing. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait qu'on n'allait pas éterniser parce que. Ouais, vu qu'il squatte avec nous. Nous avons le fiston qui nous regarde. Ensuite, donc, Byte & Kaitos, donc c'est un style de RPG. C'est du RPG. Tour par tour, avec des jeux de cartes dedans. Non, c'est un système de cartes, ouais, pour les attaques, tout ça. J'avais commencé à m'y mettre dessus, mais j'aimerais bien avoir le guide officiel, mais c'est pas gagné pour le trouver. C'est clair, ça craint. Donc ensuite, dédicace à Benji, parce que c'est lui qui nous l'avait offert. Exactement. Donc c'est le Battalion Wars. Big up. Big up à toi. Donc ensuite, donc le Billy Hatcher, donc créé par la Team Sonic. Ouais, voilà, c'est un jeu sympathique aussi. Donc ensuite, nous avons, donc c'est Zelda Mage. Il y a Dinin qui est comme ça pour venir à Ethan de pas bouger. Donc nous avons Zelda Mage, donc c'est un sorte de Mario Kart, on va dire Mario Kart Light. Oui, mais beaucoup de battles. Voilà, c'est les modes de jeu, c'est un mode battle et aussi quoi, conquête de drapeau. Ouais, on dit conquête de drapeau ou je sais ah pas. Ah oui, je crois bien, ouais. Il y a un truc et comme ça. Et ouais. Vous avez aussi un mode, mode course. Donc pareil, c'est un des jeux préférés de Benji. Mmh. Ensuite, donc le Disney Party, donc tout simplement hein, un Mario Party-like finalement. Et donc sur l'univers de Disney avec des mini-jeux, etc. Gigi adore y jouer ouais, tout le temps. Ouais. Mais on passe un excellent moment quand on avait y passé joue des à bons plusieurs. Moments. À 4, on avait fait et c'était bien. Mmh. Ensuite, nous avons Donkey Kong Jungle. Comme Didine dit bien, biteux. Biteux. Pour jouer donc avec les Donkey Bongo. C'est quoi ça, Edetan? Donkey Kong. C'est Donkey Kong. C'est Donkey Kong, donc bah suivi donc des Donkey Kong, des Donkey Konga pardon. Du coup, 1 et 2, j'ai été perturbée. Ethan oui. Regarde beaucoup en ce moment, on les a en DVD, donc il regarde beaucoup, c'est ouais. Pour ça qu'il a tiqué dessus. Là. Donkey Kong Country. Voilà. Ensuite, nous avons Final Fantasy Chronicles, Crystal Chronicles, pardon. Ensuite, donc le Fire Emblem, bon, bah, du RPG, hein. Mais moi je peux pas vous en dire plus parce que... C'est du RPG, je regardais tout en même temps, c'est du RPG au tour par tour, franchement, que j'ai adoré. Pour l'époque, dès qu'on l'a eu, je l'ai fait trois fois d'affilée. Aussitôt, oui. C'était pour avoir tous les personnages, débloquer tous les personnages. Franchement, c'est un jeu que je conseille pour les fans de Tactical RPG. Il a fait la pub. Voilà. Ensuite, nous avons le F-Zero GX que j'avais. Que j'ai acheté. Pixel, ouais, que j'ai acheté la Pixel, bien sûr. Pareil, excellent. Ensuite, le fameux Luigi Mansion. J'ai ouais. Fini le 3 récemment. Tu l'as jamais fait, toi, celui-là? Non, celui-là, je l'ai pas moi, fait, je l'ai mais j'ai fini le 3 sur la Switch récemment. Excellent jeu. Super. C'est vrai qu'on voit pas souvent des jeux avec Luigi, quoi. Et ça, c'était. Bah ouais. C'était bien, franchement. Il faudrait bien que je me le fasse quand même, celui-là. Ouais. Donc j'ai fait le 3. Donc après, nous avons du Mario. Mario Kart Double Dash. Ensuite, donc le Mario bah, Party 4. Bon, bon, c'est du Mario Party. Je te passe. Le 5. Le 6 qu'on a avec la boîte et le micro. Attends, voilà. On met ça là. Et le 7. Le 7, voilà. Donc, nous avons tous les Mario Party sur cette console.
Donc ensuite nous avons Mario Smash Football. Donc comme je disais, c'était j'aime bien le fait de jouer au foot avec dans l'univers de Mario. C'est vrai que c'est assez drôle que moi j'avais adoré ça quoi, franchement. Ensuite le Mario Power Tennis. Voilà, donc c'est dans la même lignée que le football. Lignée, hein, donc tennis. Nous avons Mario Golf. Toad Tools. Donc jeu de golf. Mario Superstar Baseball. Ouais, ça sympa aussi. Ensuite, nous avons le Metal Gear Solid The Twin Snake. Donc, comparé à la version PlayStation 1, donc ça a été les graphismes qui sont améliorés. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas fait. Non, déjà. Faut que je me le fasse, donc, parce que c'est un petit cadeau de Benji. Encore Benji. Toujours. Et vu que j'adore la licence Metal Gear, faut que je me le fasse pour comparer la version PlayStation 1 et te faire ton propre avis du coup. Et cette version, et comme tu dis, faire mon propre avis. Ouais. Ensuite, donc on a le Metroid Prime et le Metroid, Metroid Prime 2 Echo. Donc du FPS. C'est mais du FPS, ouais. Moi, c'est pas le truc que j'accroche, franchement. Mon genre de jeu. Ouais, franchement, je le garde, c'est vraiment par aspect de collection, mais sinon, j'ai pas trop accroché, j'ai essayé, mais c'est pas mon dada. C'est un peu space. Ensuite, nous avons Paper Mario, la porte millénaire, donc du RPG à la sauce Mario, franchement, c'est le top. Graphiquement, j'aime bien le fait, tu sais, que ça fasse effet papier, tout ça. Et le jeu, moi je l'ai fait celui-là. Ce que j'avais reproché, c'est qu'il y avait trop... Il y a un moment où vous avez trop de va-et-vient, c'est fou, faut que tu... d'aller-retour. Parlé, oui, mais sinon, c'est un bon jeu, quoi, franchement. Ensuite, donc, moi, c'est peut-être mon coup de cœur de la GameCube, moi, si je peux le dire. Ouais. Ouais, donc, les Pikmin, le 1 et le 2. Bon, c'est un petit jeu un peu style aventure, hein, faut aller récupérer les pièces du vaisseau d'Olimar. Les petits troupeaux de Pikmin de couleur. C'est ça. C'est... Franchement, bon, j'ai pas fait le 2, mais... Avec l'aide des Pikmin. C'est un très beau jeu. Et moi j'ai adoré avec Captain Olimar, retrouver les morceaux de vaisseau, etc. Et chaque Pikmin a sa capacité. A sa capacité pour te faire avancer dans le jeu. Quoi. C'est ça. Ensuite nous avons Pokémon Channel. Donc j'ai pas essayé. Au final c'est un jeu télévisé quoi. Tu fais tes émissions télé. Ouais, d'accord. Mais j'ai pas approfondi plus ça. Donc ensuite. Prends-le. Donc le Pokémon XD, le souffle des ténèbres et le Pokémon Colosseum. Voilà. Bon bah le Pokémon. C'est du Pokémon quoi. On va vous en dire plus. Je me suis planté, Jérémy. Ah c'est pas grave. Pas grave. Ensuite nous avons donc Resident Evil 1 et le 4. Donc je peux pas vous en dire plus. Parce que je ne les ai pas fait. Voilà. Truc pas beau. Le Rabbit King. Donc c'est un jeu assez particulier. Donc c'est un sorte de jeu de golf, mais à la place d'avoir une balle, donc c'est une sorte de grenouille. C'est ça, c'est une grenouille, non? Oui, c'est une grenouille. C'est super chelou. Et vous shootez la grenouille, et à chaque rebond, elle rebondit un peu n'importe où. Donc, c'est un jeu qui est pas trop commun sur la GameCube. C'est vrai, ouais. Donc, c'est pour ça qu'on le garde. Ah. Ensuite, c'était mon craquage de Marseillan, c'est Sky of Arcadia Legend. Donc, pareil, il y avait Benji. Ouais, Benji. Donc, je l'ai fait, j'avais été déçu parce que je m'attendais à tant, vu la cote quand même. C'est ça. Vu le prix du jeu. Du jeu, tu t'attendais à quand même quelque chose. Mais c'est du bon RPG, franchement, il n'y a pas à chier. Il n'y a pas à chier, voilà. Ensuite, donc le Soul Calibur 2. J'adore la jaquette, mais je ne l'ai pas acheté pour la jaquette. Attendez, là, je prends tout ça. Donc, c'est du. De toute façon, c'est du versus fighting. Voilà. Attends, il y en a combien? Est-ce que tu t'en sors? Voilà. Tu as un coup de main ou... Tiens. Il est gentil. Alors, ensuite, nous avons Star Fox Aventure et nous avons Star Fox Assault. On n'a pas fini encore. Donc, dans celui-là, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'il y avait plusieurs phases. Donc, vous avez phase vaisseau, phase char et phase à pied, quoi. Et ça, j'avais bien aimé, quoi. Alors ensuite, vu que Gigi m'a bien fourgué le paquet. Tu sais pas. Donc on a le Star Wars The Clone Wars. Je vais aller vite fait. Ouais, c'est le Star Wars. Le Star Wars Rebel Strike, Rogue Squadron, bah là c'était le 3. C'était le 3, là il y a le 2. Le 2. Le Jedi Outcast. Voilà. Et le... je sais pas le dire. C'est le Bounty... Bounty. Ouais, Bounty Hunter. Le Bounty Hunter. Toi, j'ai cru que c'était un R sur le coup. Donc du Star Wars. Je sais pas pourquoi on les a pris sur... Pourquoi en vrai, ça fait une collection Star Wars sur GameCube. Ouais. On en a même un sous blister. Ouais. Blister. On a trop envie de grenier. Ouais. Ensuite. Ça va être la merde à les ranger. C'est pas grave. Ensuite, nous avons Super Mario Sunshine que j'ai jamais fait. Wouhou! Sunshine.
Super Smash Bros. Melee. Nous avons le Tales of Symphonia aussi, pareil, un coup de cœur de la GameCube, ça. Le Tetris World. En fait, celui-là, on l'a pris juste parce que c'était Tetris, je crois bien. Ça, c'est un an, si tu trouves envie de grogner, ça. Oui, oui, mais oui. Nous avons bon, on l'a gardé Time, Splitter, Time Splitter 2. Donc, pareil, faut que je me le fasse, jamais fait. Le Legend of Zelda Four Swords. Eh, mais... Oui, c'est fort, oui, c'est ça. Ouf. Nous avons le Zelda The Wind Waker. C'est un peu compliqué. Et le Twilight Princess. Impeccable. Ensuite, donc le Simpson Hit and Run. Voilà. En version choix des joueurs. Des joueurs. Donc, pour vous en parler plus, donc c'est un GTA-like en sauce... Simpson. Simpson, voilà. Le Simpson Road Rage. Donc, un Crazy Taxi-like en sauce... Je suis en train de prendre le reste pour présenter, c'est pas grave. En sauce Simpson. Et pour finir... Le Wario World, voilà. Pour finir. Voilà. Voilà, c'est... Ethan, s'il te plaît. Ethan, il a craqué. Donc, le... On va avoir fini. Voilà. Donc, voilà bah, les 54 jeux, les accessoires, voilà. Les consoles. Donc, on s'est pas trop étalé parce qu'on essaye de faire vite fait quand même. Que voilà, avec le Ptio, c'est vrai que c'est pas évident. C'est un peu tordu, on va dire. Donc, on espère que cette vidéo vous aura plu. Même si on n'a pas trop approfondi parce que voilà. Ouais. On va dire, on a dit vraiment le minimum. Ouais. Oui, un petit peu. Tu peux venir dire au revoir si tu veux. Tu peux venir dire au revoir si tu veux. Si, t'attends que ça. Il voilà. Ça. Donc, sur ce, les amis, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et on se dit à la prochaine. Salut. Ah, t'es motivé, Tan. Allez, dis salut. Salut.